بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. Bonjour. Nous allons, comment dirais-je, essayer de comprendre certaines vérités contenues dans deux versets du chapitre Al-Araf, où Dieu dit: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِن تَدْعُوهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى. Et au cas, ô mon prophète Mohammed, que ma paix soit sur toi, et au cas où tu les appelles pour les guider vers un salut certain, ils n'entendent rien de ton appel. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une attitude bien négative, c'est celle de ne rien recevoir du message mohammedan. Que la paix d'Allah soit sur tous les messagers de Dieu. C'est-à-dire, le huda, c'est le bon chemin vers l'agrément divin. C'est vers la droite ligne du salut, de la droiture, de l'intégrité, d'une vraie bonne personnalité, etc. Pour éviter toutes les tentations destructives, que ce soit à l'échelle individuelle ou groupale ou même humaine. Tout le long de l'histoire humaine, il y a toujours cette majorité écrasante des gens qui refusent le droit chemin lumineux de Dieu. Donc, ils ne veulent rien entendre, ils sont dans le déni pour rejeter par ce déni-là toute notion de retour vers Allah. Toute notion de jeter un coup d'œil bien analytique de cette mission-là, vous voyez que ce sont des gens qui veulent toujours être stubborn, qui veulent toujours être dans ce qui est sombre, ce qui est ténèbre, ce qui est ignorance. Parce que comment on peut nier qu'il y a un univers? Et si cet univers-là, on vit dedans et on vit avec ces événements, comment on se permet de dire que cette lumière-là n'a pas de créateur et n'a pas quelqu'un qui le fait fonctionner, qui l'étend dans la durée, qui lui donne une harmonie, qui lui donne des lois, etc. Donc, donc ce sont des gens qui sont fermés à toute notion de réalité, à toute notion de responsabilité, à toute notion d'éducation. Ils ne veulent rien entendre dans ce domaine-là de l'éducation qui vient par le biais des messagers d'Allah, que la paix d'Allah soit sur eux. وأنت تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظروا إليك. Tu observes bien qu'ils fixent leur regard, mais c'est un regard vide, hagard, qui n'a aucune utilité pour leur servir à quelque chose de bien. Donc, ce sont des gens qui sont inconscients de leur état de fermeture, de leur état de rejet, de leur état de souffrance. Ils sont inconscients de cet état-là, parce que vraiment, au cas où ils deviennent conscients d'une petite partie, portion de leur douleur, ils seraient mieux ouverts à cet appel divin qui vient par le biais du Coran, par le biais de Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. « Et tu dis à l'Huda, ils s'écoutent, et tu les vois regarder vers toi, ils s'écoutent. » Donc ces polythéistes-là, ils sont toujours dans la même rigidité, ils sont toujours dans le monde du déni,
dans le monde du délire, وترى من رأيكم لا يبصرون صغير دون من تدعوهم يا لهدى لا يسمعون دون دون le domaine de ce qui est sonore, de ce qui est voix, etc. ils sont bloqués. Mais rien ne peut parvenir de ce monde sonore à leur fort intérieur. Et dans le monde de ce qui est vision, dans le monde de ce qui est onde, ce qui est photon, etc., de la même façon, ils n'entendent rien et ils ne voient rien. Donc, c'est une fermeture bipolaire, c'est une fermeture double, et ça va mener à la catastrophe dans leur vie actuelle et dans l'autre vie, ça c'est sûr, c'est la promesse divine, et Dieu toujours, il honore ses promesses. Ils sont bien tenus ces promesses-là. Et puis Dieu lui dit, après ce verset-là, « Khud al-afwa wa amr bil-urfi wa arda al-jayl » c'est-à-dire, soit facile avec eux, soit indulgent, comment dirais-je, ignore leurs méfaits, leurs agressions, etc. Tourne la page, pardonne-leur, et ordonne ce qui est bien connu, qui est utile, qui est positif, qui est beau, qui est bon à vivre, etc. Ce qui est vraiment. Qui est commun à tout le monde, que le bon c'est le bon, le vrai c'est le vrai, le beau c'est le beau, le juste c'est le juste. Or, lorsque tu fais ça, ça c'est pour insister sur le fait qu'ils jouent avec leur futur, avec leur avenir. C'est pour ça, c'est lorsque tu prends cette idée d'indulgence, mais de n'ordonner que ce qui est facile, ce qui est bien facile à comprendre, à respecter, à adopter, etc. Et lorsque tu as une certitude que ces gens-là sont des jahilis, des ignorants foutus, fermés, évite-les. Voilà comment la da'wah islamique doit être vécue. والسلام على من اتبع